Salut à tous, c'est Lamzou de nouveau sur Hearthstone, maintenant pour la partie du laboratoire secret. Donc à mon avis, on va être contre le Dr Boom à chaque fois. Alors voyons voir ce qu'il nous réserve, le petit. Alors, oui, ça prend du temps à charger. Garrosh contre Dr Boom. Donc le premier, c'est du détruire. Pourquoi se limiter aux seules particules quand on peut coller tant d'autres choses? Ce sera 4 casse-têtes. Vous essayez de m'abattre? Vous n'avez pas froid aux yeux? Comment vais-je vous les arracher? Alors... Chaque fois que vous avez qu'un serviteur avec 3... Ok... Du coup... J'ai envie de mettre lui... Mal à m'avoir soif. J'ai envie de... Je dois continuer. Et d'un seul coup... Ici, c'est un râle d'agonie qui inflige 1, c'est dommage. Je peux jouer lui. Je peux lui mettre un heurtoir. Lui, s'il y va, il meurt, c'est pas de bol. On va balancer. Ah ouais, mais si j'envoie un tourbillon maintenant. En fait, ça change. Maintenant. Donc l'idée, c'est de taper une fois avec lui. Pourquoi il a pas chargé? Je crois que j'ai du charbon qui pour pouvoir simuler. Et lui il est qu'à 20. Donc il me manque beaucoup. La science ne se limite pas à faire exploser des trucs. Ce qui compte, c'est l'étude minutieuse. Il faut forcément parce que j'avais pas du tout dans le bon sens, c'est tout. Mettre lui, ça c'est obligé, ça c'est obligé. Heurtoir. À vrai dire, lui, je vais être obligé de l'attaquer avec eux pour profiter d'un bonus. Donc les deux là vont aller ici. Il y en a un qui va taper l'autre. Donc le heurtoir, je pourrais le mettre sur lui par exemple. Ah non, si je mets le heurtoir sur lui, je le tue, c'est con. Bah oui, c'est ça qui est bête, c'est parce que du coup je peux plus le tuer comme ça. Pas de quartier. Attendez, à moins que j'empale lui. Pas de quartier. J'empale lui.
voile du... Si je m'en fais encore un. Venez par ici ! Tac, je m'en encore fait un. On l'air de rien, c'est quand même des dégâts. Hein. Son serviteur a déjà mort. J'attaque. Ah, s'il manque un. Je pense que c'est sur le tourbillon qui manque. Vos armes supérieures ne peuvent rien contre mon intellect rudimentaire. Donc on reprend, j'envoie lui. Du coup, pas de quartier. Je vais envoyer lui. Pas de quartier. J'envoie lui. Sauf qu'au final, ça me donne moins que prévu. Donc, même là, le tourbillon m'apporterait moins. Donc, c'est nul. Ne vous en faites pas. La science n'est pas une science exacte. Ça, c'est obligé. Ça, c'est obligé. Ça, je prends ça. Sans des pillages. Sans des pillages. On n'aurait jamais plus que ça, donc c'est parce que à moins que je fasse le heurtoir là. Si je fais le heurtoir là, lui peut attaquer et derrière je renvoie un, ça revient à la même. Donc tourbillon. Ça c'est obligatoire. On réfléchit. Si je mets mon heurtoir sur lui maintenant, je pense que je suis perdant. On va plutôt faire ça. Ça, ça me semble être le meilleur. D'ailleurs, je replace. Ouais. Et c'est là maintenant que c'est un truc qu'il faut savoir si ça vaut le coup. J'envoie lui mourir. Hey, Bacar général. J'envoie lui là. Encore un nouveau. Venez par ici. Ça me fait combien? 3, 6, 9, 12, 28, 31. Et j'ai pas tapé avec mon arme. Par contre, j'ai tapé avec un sort à un moment. Donc c'est qu'il me manque un client à un moment. Il me manque un client sinistre. Bien sûr, prenez votre temps. C'est une occasion. Marco. Il y en a un qui fait pas le bon défi. Sauf moi, c'est mon plus grand défi. Je vais faire lui. J'en envoie. Sans des pillages. Pas de quartier. Lui, je vais l'envoyer maintenant à l'attaque. Je sens
maintenant. Attaque. Et si je fais le tourbillon sur la série? Sachant qu'il me reste encore le heurtoir que je peux faire sur lui. Venez par ici. 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 15. 29. 32. Super stratégie. Je trouve que c'est la meilleure. Je peux vous avouer que j'ai pas tout compris, mais c'est la meilleure. Oh non, pas ça, c'est du. J'aime pas faire ce type là. Il va être compliqué comme d'hab. Donc je vais jouer lui. Je vais caser lui. Concentrez-vous. J'ai réduit ses points de vie à lui. Je la mets directement à 8. Ouais, va pour 8. Je suis là pour apprendre. Derrière, je pose lui tout de suite. Non. Alors là, clairement, si j'envoie maintenant la profanation, lui meurt. Lui meurt. Les 1-1 meurt. Donc lui, il passe à. Il prend minimum 4. Donc il passe à 4. Il sera. Lui, il sera à 1. Donc je pourrais reposer lui derrière à 2. Ah, c'est vrai, je pourrais faire ça au plus. Je pourrais avoir lui. Conclusion, lui, j'ai dû l'invoquer trop tôt. Concentrez-vous. Bon. Concentrez-vous. J'envoie la première profanation. Je suis là pour apprendre. Mes cristaux. Je suis là pour apprendre. Ça ferait beaucoup si je fais ça. Je renvoie lui maintenant. Vous aimez jouer avec le feu. Je passe lui à 2. Je suis là pour apprendre. Si je fais ça, il reprend un point de dégâts. Il y en a un deuxième. Ouais, normalement le compte est bon. Mince, le compte était pas bon en fait. Non mais c'est l'été. Vous séchez sur un casse-tête ? Inutile de vous creuser la cervelle. Je m'en charge. J'envoie lui. Au rapport. Pas tout de suite. Feu. Derrière. Concentrez-vous.
je recharge. Je suis là pour apprendre. Jouer avec le feu. 1, 2, 3. Ça va jouer sur ces 5 là, à mon avis, de toute manière. Si je double celui-là. Attends, lui meurt. Donc lui prend 3 minimum. Si lui prend 3. Et si en fait j'avais joué lui au début, comme ça j'en avais lui qui passait à 7. Bah non, justement j'ai toujours le même trou en fait, ça m'arrange pas. Si vous ne trouvez pas de solution, soudoyez. En fait, c'est que j'en ai pas à 3, ça qui m'embête. Bah, attendez, si je fais un bim sur lui, j'aurai 1. Un, deux, trois. Il me faudrait le 4. Parce que lui il va mourir quoi qu'il arrive, donc il n'y a pas de problème. Je pourrais avoir le 4 en faisant ça sur lui. Parce que lui il meurt, lui il passe à 3. Donc j'aurai le 3, le 4. Lui serait déjà à 4, donc ça servirait à rien. Que si je fais pas maintenant. N'oubliez pas, toute solution à son problème. Il m'en faudrait un qui soit 4 de base. La vie s'est ratée. La science est la réponse, mais vous pouvez répéter ma question. Et si je le double, il a 4. Lui il fait 5. Concentrez-vous. Il y aura le 1 automatiquement. D'ailleurs, c'est... oui, c'est même avant, c'est lancé avant le sort, donc il n'y a pas de problème. Le 1, je l'aurai. Le 2, je l'ai avec lui. Attendez. Non, hop. Là, j'ai le 3. Je suis là pour apprendre. Donc, du coup, j'ai encore le 1. Je recharge. Je suis là pour apprendre. J'envoie lui. Je suis là pour apprendre. Un bloc plus haut. Je peux poser lui derrière. Vous aimez jouer avec le. Et on peut tenter. Je sais pas à combien ça va te mettre. Ben, c'était pas suffisant. La physique nucléaire, ça s'apprend sur le terrain, pas dans les livres. Ici, c'était sur lui plutôt que je mettais ça. Toi qui prends ça. J'ai pas assez de mana. J'ai plus assez de mana, c'est normal, c'est classique. Le 2, c'est forcément lui. Mais du coup, le 3, ça peut être que lui aussi. Là, je mets. Au rapport. Et si je le mettais à 6. Tac, non, c'est inintéressant. Je recharge. Concentrez-vous. Je le mets à 3. Je suis là pour apprendre. Le 2, ce serait lui. Lui a beaucoup trop de points de vie, du coup, ça le problème. Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? J'arrive pas à compter. Maintenant, c'est sûr, l'échec est une option.
En plus, si j'ai un cercle de soins, à mon avis, c'est pour faire quelque chose. Ce serait pour le lancer le sort comme ça? Lancer le sort qu'au cercle de soins? Ben, on n'a pas fini, hein, franchement. On réfléchit. I'm thinking, moi aussi. On réfléchit, on réfléchit. Et si je joue mon Pyro, que je le double, c'est lui qui devient mon 4. Il devient mon 3 même. Mais derrière le problème. La planification, c'est ah oui, bien. C'est quand. Moi, je planifie après. On va le régénérer en cercle de soins. Ouais, ça peut se tenter. Vous aimez jouer avec le feu. Je régénère. Con-con, ouais. Non, parce que du coup, il y a trop de points de vie. Non. Au léger, la science se nourrit d'erreurs. C'est pour ça que je suis le meilleur. Vous aimez jouer avec le feu. Il met beaucoup de points de vie. Ça, c'est trop stylé. Après... Je soigne. Je me mets à recharger. Comme ça, je peux envoyer lui. Certainement, à mon avis, de toute façon. Si je tire là-haut, je le mets à 6 aussi. Si je joue lui, ok, pas ça. Personne n'est parfait, et sauf moi, c'est mon plus grand. En vrai, le pire romancien sauvage, je vais le revenir. Je reçois. Je recharge. Je le mets exécuté, voire des au-dessous. Je reprends à ça. Je joue mon violet teacher. Concentrez-vous. Je joue la première profa. Je suis là pour apprendre. Un. Il y a un deuxième type derrière. Ah. Et puis là c'est bon, là, il va mourir. Je suis là pour apprendre. Sors de côté. Et c'est fini. J'aime pas du tout ce mode là. Ça demande de beaucoup trop de. T'as combien de points de vie toi? T'en as beaucoup je trouve. Je suis censé tuer quelqu'un avec ça? Déjà, j'ai une carte possiblement à piocher.
Bon, déjà, première chose à voir, faudrait que je pioche. Donc, pour piocher, concentrez-vous. On va causer des dégâts légers. Hey, je vous dérange. Un tir, un mort. Ça, je sais pas ce que je pioche. Un pion. Est-ce que je veux piocher ce pyromancien? Je pense qu'il y a de futures chances que oui. J'ai que lui pour piocher le pyromancien? Ah, et je suis en fait. J'ai une idée. Faut que je tue. La physique nucléaire, ça s'apprend sur le terrain, pas dans les livres. Non. Le problème, c'est que si je fais ça, je me tue pour commencer. C'est un peu radical tout de même. A mon avis, il faut que je prenne lui. Que je lui refile. D'accord, faudrait qu'en fait je commence par piocher plein de clairs que je pose et qu'ensuite à son tour je fasse l'inverse de son côté. Alors vous séchez ? C'est quand même relativement chiant à mon avis. Je pose l'Okenai. J'ai pas de kill direct, c'est ça le problème. La traîtrise, est-ce que je peux m'en servir avec quelque chose? Je faisais un serviteur allié, le donne à votre adversaire. Si vous ne trouvez pas de solution, soudoyez la cause du problème. Inflige un point de dégâts. Comment ça va signer aussi hein? Oh, il est tard. Donc faut que je lui fasse piocher les cartes 5 par 5 et ça ira très vite. Ça veut dire que dans un premier temps, il faut que ce soit moi qui pioche tous mes trucs. Et qu'ensuite, ce soit lui qui pioche tous ses trucs. Pas fini, quoi. J'ai besoin de toi, et toi, et toi. Là, pour l'instant, je pense pas me planter. Ensuite, il faut que je trouve un moyen pour récupérer celui-là. Comment je peux te tuer toi sans mourir? Oui, c'est le sans mourir qui est important. Bien sûr, prenez votre temps. C'est une opération délicate. Ça précise bien votre héros. J'ai beau compter, je peux lui faire que 2 dégâts avec un soin. Ou alors si je joue lui, je reprends 2, je passe à 3, je me fais ça, je passe à 5, enfin je reprends que 4. Faudrait que je prenne encore un point de vie ailleurs que je ne peux pas prendre.
N'oubliez pas, toute solution a son problème. Absolument, je récupère celui-là. Ou alors, je me contente de lui en laisser deux. Et c'est avec le pyromancien que je fais muse. Par exemple. Un tir, un mort. À mon avis, c'est peut-être ça. Bon, j'arrive pas à son, c'est clair que j'arrive pas à tuer lui. La planification, c'est bien. Moi, je planifie après coup. C'est encore mieux. La science ne se limite pas à faire exploser des trucs. Ce qui compte, c'est l'étude minutieuse des trucs qui explosent. Au début, il faut que je pioche. C'est clair et net. Donc, je vais piocher. J'ai mon monsieur. Ensuite, j'ai dit qu'il me fallait que je... J'ai besoin de toi, et toi, et toi. Donc, je m'envoie plein. Je vais poser mon... Vous aimez jouer avec le feu. Ensuite, maintenant que j'ai mon pyromancien, il me reste toujours 5. Si je blesse lui... Est-ce que c'est utile de blesser lui, sincèrement? Je vois pas à quoi ça servirait. Ah, mais si, j'ai trouvé. Un tir. Je blesse lui. Un mort. Je recharge les batteries. C'est de la bruit. Je soigne. Comme ça, du coup, je pioche mes derniers clérics. Quelqu'un est blessé. Je fais un échange. Et la question, c'est est-ce que j'ai assez de mana? Pris 5. Je fais la traîtrise. Ah mais oui, mais le problème c'est ça, ok. J'ai vu le problème.
J'avais une idée intéressante. Mais il n'y avait que une idée intéressante. Non, c'est pas ça. Un tir, un mort. Et je blesse lui. J'ai besoin de toi, et toi, et toi. Je fais ça. J'ai besoin de toi, et toi, et toi. Je joue mon pyromancien. Vous aimez jouer avec un team, un mort. Et je réinitialise des batteries. Et je repioche tout le monde. Et je pense que ça je vais le faire en 4 vidéos parce que sinon ça fera une vidéo d'un peu 3 heures. Je me soigne. Ça l'intérêt c'est qu'on retrouve des points de vie. On swipe. Et là ça va faire bang. Comme ça, je me pioche pas. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 7 serviteurs. 1, 2, 3, 4. 5, 7, ça fait 4. Maintenant 28 et la dernière. Ah, il y en a encore une en robe. Ah oui, c'est vrai qu'il avait déjà pioché les cartes en plus au début. Ça, ouais, sinon ça bougeait pas. C'est la même. Choisissez en place deux copies sur le deck. Ok. Il y a encore le swipe. Je tiens un scoop. Ben on va de toute façon on va essayer de faire vous la même chose. Un tir avec le feu. Un mort. L'accumulateur. On se fine tout le monde. Quelqu'un est blessé. Quelqu'un est blessé. Ça, bon, on va répondre. C'est possible que je n'ai pas compris. Un
non, en fait, c'est pas la même chose. J'inflige que 400 et quelques comme ça. Conclusion, on recommence. Vous séchez sur un casse-tête ? Inutile de vous creuser la cervelle, je m'en chargerai. Ça fait quoi, toi ? Bon, on va retenter ça. Je tiens un scoop. Toi, tu vas m'en mettre deux. Vous inquiétez pas, on réfléchit, on réfléchit, on réfléchit. C'est pas ça du tout, je suis en train de chercher autre chose, mais je vais m'en sortir. Voilà, ça y est, j'ai trouvé ce que je voulais. On va transformer ça en ce truc là et c'est réglé. Alors vous séchez ? Et après là je fais quoi ? En fait, faudrait le faire deux fois. Ça, c'est tous les personnages alliés, donc je vois pas l'intérêt. Concentrez-vous. Concentrez-vous. Un tir. Ouais. Et ensuite, je fais quoi avec 1? Si je fais ça, j'en pioche un deuxième. Là, donc j'ai pioché mes deux copains. Du coup, quelqu'un est blessé. Quelqu'un est blessé. Et là, je suis toujours bloqué pour l'instant. Jouer soit le swipe, soit les batteries, soit le mana. Si je fais l'échange maintenant, est-ce qu'il y a un problème? En plus, j'ai même pas pioché quand le pyromancien, donc avis, elles sont la prêtresse, je vais pas jouer. C'est quasiment sûr que je joue pas la prêtresse. Du coup, si je joue pas la prêtresse, 4, la planification, 7, c'est bien. Moi, 8, je planifie 10. Après coup, c'est encore. Je vais recharger du coup. Ah non, parce que le pyro il fait les 10, ou peut-être que du coup, je jouerai pas. Pas de pouvoir héroïque. Ok, je vais attenter son pouvoir héroïque. Donc si on va recharger maintenant. Ok, il s'est rien passé, c'était prévu. Je swipe. Du coup, pas sûr qu'il y avait une utilité importante. Et je le renvoie dans la main. Et
fais ça. Je fais ça. Non, c'est de la merde. Oh les gars, la science se nourrit d'erreurs. C'est pour donc, ça en fait, que je pense suis avoir le meilleur. Compris. J'ai une idée. Ouais, j'ai une petite idée. Donc, quoi qu'il arrive, je vais. Je tiens un scoop. Un tir. On fait ça. Un mort. Et c'est là que je réfléchis. Je vais recharger. Je swipe. Mais j'ai pas pioché mon pyro. C'est qui est con? Ah mais je sais pourquoi c'est con. Je sais pourquoi j'ai pas pioché mon pyro. Bête. Ne vous en faites pas. La science n'est pas une science exacte. Je tiens un scoop. Je fais un ding sur lui. Ils font deux. Un tir. Hop. Un corps. Parce que je. Quelqu'un est blessé. Et maintenant je fais mon soin. Pour ça, le pyro, je le gagne. Quelqu'un est blessé. Je joue lui aussi. Et là maintenant, le pyro est de mon côté. Donc, je recharge. Je swipe. Prendre le pyro maintenant. Vous êtes bien joué avec les le feu. Et lui il est à 1. Et comme je veux pouvoir refaire des dégâts derrière. Attendez. Est-ce que j'envoie mon soin maintenant? Oui. Non. Je fais lui. Ah bah oui, ma subette. C'est juste lui qui va se remonter. Ok, ça va couper dessus, putain. Ça va plus. Ok. Derrière, je re-soigne lui. Elle est à 30.
pied sur le compte. Je pense que je suis large là. Donc on a fini le premier. Et ben, c'était pas rien. Ça fait quand même quasiment une heure. Et du coup, je vais faire des vidéos à part. Allez, merci de m'avoir suivi. Ciao à tous.